Eh bien salut tout le monde, c'est Xa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo en compagnie de Darkmoon. Yo, bande de rejets! On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit concours Pokémon, donc pour la sortie des jeux Pokémon Rosa, donc Ruby, Omega et Saphir Alpha. Voilà. Voilà, on a un petit concours donc à vous offrir tout simplement, je sais pas trop, mais bon, voilà. Vous pourrez gagner donc des starter ON donc shiny stratégique, donc Gobo, Avec Arco et Possiflore. les bouboules de méga Ouais, évolution. les méga évolutions. Donc je vais vous détailler vite fait les trois Pokémon. Donc la vidéo sera pas super longue, mais bon voilà, c'est plus pour Oui, de un toute façon, voilà, c'est. c'est pas fait pour que ça soit long, hein. Voilà. Donc Poussifeu Shiny, donc vous avez de toute façon les sprites sur à l'écran là. Donc Poussifeu Shiny, donc de nature rigide avec donc 252 EV en attaque, 252 EV en vitesse et 4 en PV, puisqu'il fallait bien les mettre à un endroit et PV c'est plus logique. Au niveau des IV, donc 31 en attaque, 31 en vitesse. L'objet, donc il aura la brasse égalite. Comme attaque, bon, j'ai mis un peu des attaques random, mais bon, vous pourrez les changer, mais c'est plus pour si vous les utilisez pour comme starter pour Rosa. J'aurais mis des attaques pas trop pétées, quoi, on va dire. Donc, il a griffe, lance-flamme, griffe ombre et aéropique. Voilà, pour Arco Shiny, donc il y a une nature modeste, 252 EV en attaque SP, pareil en vitesse et le reste en PV, parce que voilà, il faut bien les mettre encore une fois à un endroit. Au niveau des IV, donc 31 en attaque SP, comme jeu, il a la Junkrat, donc pareil en attaque, donc il a Écrase De toute Face, façon, ils ont tous Aéropique. leur méga gemme en option. Ouais, voilà. Écrase Face, Aéropique, Tempête Verte, voilà, parce que bon, il est modeste du coup. Et puissance cachée, les autres n'avaient pas des super puissances cachées, lui je l'ai mis acier, ça peut toujours servir contre les types faits, on verra bien, au pire vous pourrez changer. Hein. Ah oui, après c'est à vous faites ce que vous voulez. Donc Deck. ensuite Gobu, donc pareil, donc en shiny avec sa méga gemme, la Lagronite, donc de nature rigide avec donc 68 EV en défense, 68 EV en défense P, 120 en PV. Et 252 en attaque. Au niveau des IV, il a 31 IV en attaque. Et pareil en attaque, bon, laser glace, charge, cascade et tombe roche. Voilà, des attaques pas trop pété, quoi. On va dire, c'est des attaques Attends, neutres, tu lui as quoi. mis cascade? Ouais, voilà. Ah, okay. Donc oui, donc faut leur dire aussi un petit peu comment va se passer le concours, parce que là on a détaillé tout ce qu'il fallait, mais en Ouais, gros. bah, vas-y. Ouais, je vais expliquer ça. En gros, voilà, vous. Pour participer au concours, c'est très simple. Il vous suffit juste de mettre un petit commentaire avec je participe. De vous abonner à la chaîne. Comme ça on vous voit bien. Et normalement ça devrait être bon. Donc Ouais. normalement, je sais pas quand on va la poster, mais on la postera Il bientôt. parle aussi du tirage. Ah oui, c'est vrai. Donc, comme vous vous en doutez, il y aura trois gagnants, comme il y a trois starters, c'est logique. Donc, le premier, en fait, on va les classer par, enfin, 1, 2, 3, en gros. Donc, le premier, il pourra choisir entre les trois, donc il choisira son starter. Le deuxième, il choisira entre les deux qui restent, et le dernier, ben, il prendra ce qui reste, en gros. Voilà, en sachant Un tri. que même celui qui reste, il sera quand même pas mal. C'est pas de Comme la dans le merde, jeu, quoi. quoi, un peu. Hein. Ouais, voilà. Sauf que dans le jeu, vous êtes tout le temps le premier. Voilà. Et vous faites tout le temps carotte parce qu'il prend tout le temps le truc le plus efficace. Bref, on s'en fout. Donc voilà, donc bon, le but c'est que vous commencez avec un starter en gros sur Rosa, et puis vous pouvez avoir un autre starter. Par exemple, si vous avez pris Arco, vous pouvez avoir Gobu. Enfin voilà, Oui, c'est vous qui tout pouvez comme vous en ça. servir soit de Pokémon pour vous battre ou juste pour la balade Et voilà. dans le jeu. En sachant qu'en stratégie, il sera assez bon, il y a juste à leur faire monter là de façon des niveaux, et au moins niveau 50 pour faire les battles Wi-Fi pour ceux qui voudraient et leur mettre des meilleures attaques. Mais bon, ça de toute façon, on a fait une autre vidéo, donc le lien donc s'affiche à l'écran si vous voulez aller cliquer dessus pour voir, où on explique un peu comment vont être joués les mégas, donc ces mégas là, donc méga Bardzegalion on sait un peu, mais méga Junko et méga Lagrande surtout. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, aussi pour donc les 200 abos, on va faire un petit concours où on fera gagner Diancie. Ouais, Diancie, oui. Voilà, avec sa méga gemme et sûrement deux autres. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais en gros, ça sera un peu un concours pareil, sauf que Et avec puis des légendaires. aussi une autre vidéo sur Pokémon, ce sera tous les shiny en méga évolution. Ouais, voilà. Donc bon, de toute façon, Donc là, les liens, s'ils sont sortis, je vais les mettre un peu partout. Voilà.
Oui, on les Bien. mettra dans la description si, bah, de toute Voilà. façon, si ces vidéos sont sorties, à mon avis, c'est que ben le concours est terminé. Mais Oui, bon, voilà. de toute façon, on vous dira, on mettra dans la description le statut de la vidéo. Voilà, donc pour savoir si le concours est toujours valable, simplement vous verrez hein, dans le titre, de toute façon, si je mets comment ça s'appelle, entre crochets terminé, c'est que c'est terminé, tant pis pour vous. En gros, voilà, ce sera à peu près, le tirage se fera à peu près, je sais pas, 3-4 jours après que le jeu sorte, et elle sortira à peu près 2-3 jours avant que le jeu sorte, Voilà, donc voilà, c'est ça ça vous en tout. laissera le temps. Bref, je pense qu'on a assez parlé là. Ouais, je pense qu'on avait dit pas mal de choses, Voilà, donc donc résumé, abonnez-vous et mettez un petit commentaire pour dire que vous participez tout simplement. Et puis voilà, bon, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Xa, à plus tout le monde. Et Darkmoon, salut. Au revoir.